nga na mesani to mesani papa na biso to mesani pona ko boma nzoku maintenant nga na bomi nzoku nga na bomi nzoku bato ma nzoku pe basala ka jamais bomengwa nzoku bato oyo bas favoriser ke o donc ba basala ka ke ko ba boma nzoku bangwa na moto baganyeki mo bomi nzoku boma ka azwa ke loko mokote. Comme vous le savez, les Africains n'ont pas réellement une tradition de consommation de l'ivoire. Donc, ici en Afrique, je peux dire que nous n'avons pas intérêt normalement à braconner l'éléphant pour l'ivoire parce que les gens réellement qui braconnent les éléphants en forêt, notamment les grands braconniers, les chasseurs, ils tirent vraiment pas profit de l'ivoire surtout parce que l'ivoire a beaucoup plus de valeur en Asie. En Asie notamment, les pays comme la Chine ou le Japon, où les gens ont une tradition de consommation d'ivoire, où l'ivoire représente réellement un objet de valeur. C'est une matière précieuse, très précieuse en Asie. Bonama benga bango, ba bengelo, bon benga yaka. Yaka janga, eloko yo ketambola nango la zamba. Bon. Ozimbi, OK. Oko de zamba. Kozone ya zamba elenge biso. Biso batu bokate zamba. Bangwene batu amboka. Bafuta ve biso te. Bango balala sika pulele ya malamu. Bulala kaka pulele buye. Boso babanda ke opesa kaka ba masanga. Na batu elamba te mosike te. Nini te. Oye soke ayali bie akopesa mosike. Anjungu moko na bunu. Wana soki ayale motema mabe akopesa bunute akopesa njungute akopesa musikete bolala kana libanda les gens vendent le kilo d'ivoire d'éléphant à peu près à autour de 5000 francs CFA. Donc aussi grand que soit l'éléphant abattu, c'est-à-dire que si c'est un porteur qui a des ivoires qui font 10 kilos chacune, ça va faire à peu près 20 kilos d'ivoire. Vendu à 5000 francs en brousse, là-bas, ça fait quoi, 100 000 francs CFA, plus ou moins. Bon, alors que vous avez la viande qui est là. La viande peut faire plus ou moins 3 tonnes. Si vous récupérez bien, disons, vous avez 3000 ou 2000 et quelques kilos de viande. Donc il y a une ruée. Les gens se sont lancés actuellement à braconner l'éléphant pour la viande parce qu'ils se rendent compte que ça fait beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de gains. Nyama lokola nzoku. Aza mingite abotaka mingite. Nzoku abotaka zeminaye esalaka 22 mois. Mvula moko na ndambo. Iye pona kobota mwana musupe asala mvula mine pona zwa mwana. Bomoni teti soki to bandi ko bomana basi na batata na bana me bana bakoko na biso bako yasima bako mwana iloko te. Bomaka banzoko ali bele pa manquement na musala za na pei. Bomina maintenant siko yo loko ya mindela ba lobi to tika mina likambona. Mina na kansi na mikolo yo likambo ya brakona siko yo sesili. Nzoku tu fina ye ele isaka baninga banyama misusu. Nzoku pe azoli ya mbuma misusu ya safeli par exemple ali yango na kabo. Akobota ngona ikilemba ali ngona ikilemba akobota ngona ipena akobota ngona mina Gabon na Centrafrique bato bazokufa bana bazozi yaka bazokuta toujours njoku azali bazokuta toujours sapeli azali mais soki to silisi njoku nani akobanda kukunda banzite ebongi batika kuboma banzoku batika nzoku efanda na nzoku pe mukili na biso koki kuzwa mbongo mingi pe bango pe bato bazana bamboka bakoki kuzwa mbongo pona banzoku bazwa kinga bakekinga ngai na site. Et bah quand ils na site, bah sambisingai, ti et bah quelque côté angai, na boloko, na sali kuna 6 mois, na sali kuna 6 mois na boloko, po na bomaki nyama nzoku. S'il y a une infraction
qui a été constaté, notamment le commerce des points d'ivoire ou l'abattage des espèces intégralement protégées. Et si les délinquants sont appréhendés, naturellement les procédures sont acheminées au parquet de la République pour que ces personnes soient jugées et au besoin voire condamnées par le tribunal comme l'exige la loi. Kobomanyama éléphant est allé défendu. Kobomanyama bobo est allé défendu. Depuis Bakoko, la loi 48 défend ça. Hein? Bomama nyama mosusu ya éléphant ya bobote parce que elle est défendue. Yo yoki. Na yoki moninga. Yo bomye na mandoki nini? Oh. Na calibre 12, hein? Calibre 12. Et alors? Bon, basimbi calibre basimbi. 12. Basimbi. Bon, l'amende commence à partir na 500 000. Na monnaie passe moninga. Jusqu'à million. Na monnaie passe. Bomama mosusu bobo na na éléphant. Na monnaie passe. En ce qui concerne les peines d'amende, la fourchette va de 10 000 francs à 5 millions de francs CFA. Et comme nous l'avons dit, la peine, c'est de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement. Le dernier en date, c'est l'arrestation de 26 points d'ivoire dans un plateau camerounais qui menait déjà le pointe vers la frontière. On a réussi à le rattraper et le véhicule a été arrêté. Et l'équipage du véhicule également. Nous avions pu remonter la filière jusqu'à attraper les chasseurs et les acheteurs d'ivoire. Les éléphants sont protégés, sont des animaux protégés. Quand on a saisi ça, il fallait engager la procédure et on a envoyé chez le procureur. C'est la voiture qui a servi de transport des éléphants, des points d'ivoire vers le Cameroun. On a saisi cette voiture également. Elle est garée ici à la journée chez nous. Le véhicule à duquel les personnes ont eu à commettre des infractions, ce peut être la chasse, parce qu'on peut chasser à l'heure d'un engin motorisé, comme le transport des trophées pour à l'heure de la chair, de la viande. La loi dit que le jugement peut ordonner la confiscation de ces objets-là. Bato bakubuta mikili mususu bakoya kotala banyama wana soki baye kotala banyama moto oya kotambola kolukalia asomba biloko na bango soki bango basali mwa biloko bato pe bakoy kosomba biloko wana soki basoli mwa ndako oyo bato bakoy kofanda bato pe bakolala na bandako wana epe bakufuta bango bambongo